Being at home, you say good morning to your friend. You say hello to everybody, you know? You hear a little story from here, a little stories from there. Home still where you are really more connected to the life. Even with the badness of it, yeah. When I reached India, when I stepped onto the soil of India, a big weight fell off my shoulders. And I felt, yeah, in spite of all the mess and the, I just felt that I belong to this place. And home, I think, is where you feel you have a kinship, not only to the people, but also to the country, from the heart. La maison, vous savez, quand vous êtes à la maison, vous pouvez tout faire, hein? Mais quand vous êtes ailleurs, c'est difficile. La maison pour moi, des fois je peux manger sur la table, je peux manger par terre. La maison pour moi, c'est une couverture, c'est là où je suis, là où je suis né, là où je grandis, là où je peux parler n'importe quoi. Quand je viens dans ma maison, je vois les voisins du dessus, du bas. Je me mets juste sur le divan. Je comprends que je suis chez moi. Конечно, с одной стороны, я в курсе всех соседских проблем, потому что у нас очень маленькие квартиры, называемые издавна хрущевками. А с другой стороны, это такое счастье, что наверху все еще живы, внизу все еще живы. У них сегодня смех, ужин, и внизу сегодня никто не плачет. Это осознавать очень хорошо. Я успокаиваюсь у себя дома. Chez soi, c'est un sentiment très particulier. C'est un sentiment où, lorsqu'on respire, on a des odeurs, on a un sentiment, on a les poumons qui s'élargissent un peu plus. On se sent protégé. On se dit, tiens, il pourrait arriver n'importe quoi dans le monde, je suis chez moi. Ça, être chez moi, être chez soi, c'est... C'est tourner comme un ours en cage, c'est fenêtre fermée, c'est fermé au monde, être chez soi, c'est chez soi, c'est déjà se mettre à l'abri, se protéger, c'est être chez soi. C'est terrible, quoi. Being at home is very, very lonely. Doing nothing, simply wasting your time and energy, thinking about bullshit things, things which are not at all important in any terms, simply wasting your life. I don't want to be in Ohio anymore. Would someone please come and take me out of Ohio? I'd like to live. I would like to live somewhere, just location. I think location of my family. If there was one thing I could change, that's what it would be. I'd like to live somewhere else where there's more culture, there's more diversity, there's more things to learn from, people to grow from. That's one thing. Oh, I would like to just give up everything, not think, not work, and go and live somewhere so peacefully, up by a mountain, very clean. I wouldn't, you know, choose Ethiopia because it's my country. I want somewhere totally different where nobody knows me. you know, just to start a new life. Moi, je voulais partir parce que j'avais soif d'autre chose. Je cherchais quelque chose. Je sais pas. Pour expliquer, disons que j'avais besoin d'avoir un but dans la vie. Je ne conçois pas de vivre sans but. Je ne pouvais pas concevoir. Je voyais des gens autour de moi en France qui vivaient sans but. Ils étaient tout le temps en train de chercher quelque chose, mais ils ne cherchaient rien, ils n'avaient pas de but. Ils vivaient au jour le jour. Je n'avais pas envie de vivre au jour le jour. Pourquoi faire? Travailler? J'avais un travail. Gagner de l'argent? Je gagnais de l'argent. Et quoi? Ça ne me donnait pas... Ça ne m'emplissait pas un besoin que j'avais là, dedans.
un besoin d'autre chose. Une raison de vivre. Voilà peut-être le mot, une raison de vivre. Un but, quelque chose, une mission à accomplir. Ah oui, chaque fois que je suis énervée, je m'en vais. Chaque fois que je suis fâchée avec mon pays, je veux partir. Et puis, de toute façon, même si on part, je suis partie. Zama, en disant, ça y est, c'est fini, je ne reviens plus. Au bout de deux mois, ça y est, j'ai le cafard, j'ai le spleen. Parce que j'emporte l'Algérie avec moi, je suis insupportable. Je ne sais parler que de l'Algérie. Je suis désolée. Moi, j'aime beaucoup mon pays, si bien que je n'aime pas quitter mon pays et aller dans un autre pays. Aller dans un autre pays, faire le tourisme et revenir, c'est tout ce que je veux. Mais rester dans un autre pays et vivre ce que les gens sont en train de vivre actuellement, moi, je n'en veux pas, mais je veux mourir dans mon pays. Parce que dans ton pays, tu es plus libre, tu circules librement, tu connais les gens. Les gens ne te feront rien, ils savent que tu es du pays. Mais là-bas, où on ne te connaît pas, où tu vas chercher l'argent, où on dit, aujourd'hui, tu n'es pas chez toi, où tu n'es pas... Non. Il n'y a pas une solidarité agissante là-bas. Moi, je préfère vivre dans mon pays et mourir dans mon pays. I feel at home in Italy. Home is where your heart is. When you're happy, that's home. And home, when I was a teenager, was Lufkin, Texas. But home to me now is Mompeo, little town sitting on a hill in the Sabine Hills. That's home. And, of course, here in Rome is home. And we're just fortunate to be able to have two homes. I mean, like, when I left Palestine, I thought I would never come back to Palestine. I thought that this is it, you know, this place is too depressing, it's shit, you know? And I just want to go to somewhere, you know, to get a good job, you know, for my music to spread out, you know, for a lot of opportunities, you know? That's how I was thinking. I actually told my parents in the airport that if they ever want to see me again, they should come visit me in the United States, you know? And then the first few months, I was still with that, you know? I was like, yeah, I'll never go back. A few months later, I was like, everything just changed, you know? And it also made me love my home, you know? That's one of the things that changed, you know? That I used to hate this place because of the situation, obviously. And when I went there, I realized how much I love, you know, my home and the people around me, and that's what made me come back in the end. Moi, non, je sais pas d'où je viens en fait. C'est la question que je me pose souvent. Parce que le pays où je suis né, ça m'a pris mon père, ça m'a pris beaucoup de choses. Je sais pas d'où je viens. Mais pour moi, je me dis que tu sois de tel pays ou de tel pays, c'est pas ça, au fait. Le problème, c'est surtout être bien là où tu es. Et chez moi, ma grand-mère disait que quand tu vas quelque part, quand quelqu'un te reçoit, il sent toi comme si tu étais chez toi. Donc, quand je vais quelque part, je ne me demande pas, ces gens-là, ils sont de quel pays ou de quel pays. Quand je me sens bien avec ces gens-là, donc pour moi, c'est comme mes frères et sœurs. لا أحس في وطني يعني تعاملي مع الناس هون أنا بالمناسبة أنا يعني رحت أول شيء رحت على الإمارات يعني ما جيت أنا دغري على سوريا بالإمارات ما قدرت أتحمل أعيش ست شهور ما قدرت أتحمل حسيت نفسي ما أقدر أعيش لما جيت هون كتير كتير أشياء سهلة يعني بالتعامل يعني لما بتطلعي مع تاكسي لما بتروحي على المحل بتشتري شيء يعني او بتحكي مع حدا ما بتحسي انه انا بالنسبه لي انا احكي ما بحس انه انا عايش في غربه او يعني كلاجئ لا بالعكس حاسس نفسي عايش في وطني يعني كمان حتى بشتغل هون يعني عم برسم لوحات عم بتعامل مع تجار لوحات كذا يعني كثير تعامل حلو يعني عادي يعني كانما يعاملوني معاملة سوري يعني مو معاملة واحد والله شو جاي من غير بلد هيك. أني مدينة. أني مدينة شلي.
نولدت بكندا بس انا لو انا كندا دي لو مدينه שלי انا حيه باسرائيل بس دي لو مدينه שלי انا اوهبت אני אוהבת ומנסה להיות נאמנה לאדמה שעליה אני הולכת. ואני לא מאמינה במדינות, אני לא מאמינה בגבולות. The first day after we got into Addis Ababa, which was a month ago, and it was my first trip back after 26 years, and it was like the most amazing feeling to just wake up and drive around and see that, wow, I'm from this place. This is where I'm from. And to see so many people that look like me, that spoke my language, that ate my food. And it wasn't, for the first time, I think it was like, wow, I'm connected again. You know, I have a history, I have a culture that's bigger than myself. Because I grew up in the States, even though I've always been connected to my culture, I know my language. I hear my music. It's nothing like going back to your birthplace and actually experiencing it firsthand. So I think that's one of the things that's truly fresh in my mind right now. Ah, at home. That's been a very difficult thing for me to describe. I was born in one city, went to school in a second city, high school in a third city, college in a fourth city, graduate studies in a fifth city. I worked around the world in very many different places. And even in the one place where I've lived the longest now, in New York City, I've moved home many times, both initially for reasons of convenience and then also for personal reasons as following my divorce. So I have to say I'm one of these people who for a very long time has lost the sense of home. Home used to be where my parents were. But after I lost my father, my mother is now living in a town which has no associations for me. It's not a place where I have ever lived or studied or done anything. It is only her home. It's no longer my home. I have an ancestral home, a 200-year-old house in a village in Kerala in South India, where my grandmother lives. But that too is not home because I've only been there on holidays. So I'm sorry, in some perhaps very sad way, I'm a man without a home. The world is my home. J'ai grandi en Afrique de l'Ouest. Je suis d'origine juive marocaine, donc si vous voulez, où est-ce que je peux dire... Alors, et je suis française de nationalité et d'éducation française, enfin éducation scolaire, etc., de langue française. Donc, je ne sais pas où je suis particulièrement chez moi. Donc là, si vous voulez, j'ai un peu construit ce concept du chez-soi, finalement, à La Réunion, où c'est là que je me sens maintenant le mieux ancrée. Il y a un truc un peu particulier, c'est que moi je suis né à Paris, donc français, enfin tout en moi est français, ma culture, les livres que j'ai lus, la musique que j'écoute, tout est français, l'éducation que j'ai reçue, et pourtant je parle le serbo-croate couramment, ça je l'ai appris de mes parents, je suis allé à l'école aussi, et donc mes parents m'ont transmis ça, en revanche, c'est comme si j'avais eu un don, je parle cette langue couramment, etc. Mais j'ai pas eu tout ce qui allait avec, c'est-à-dire l'histoire de ce pays, je la connaissais pas, l'orthodoxie, je connaissais pas, enfin la religion, de rêve, rien. Et donc ça, je suis allé le chercher, je suis allé... Et je savais pas d'où venaient mes ancêtres, je sais pas pourquoi, mais peut-être une rupture comme ça, quand les gens immigrent loin, ils ont... Peut-être pas, peut-être certains le gardent, mais moi, mon père, ma mère, ils m'ont jamais vraiment parlé de ça, donc il a fallu que j'aille le chercher. Et parfois, pour m'amuser, et toute proportion gardée, je disais que j'avais un peu le sentiment d'être né sous X, c'est-à-dire de ne pas savoir ce qu'il y avait avant moi. Et ça représentait un vrai souci, parce que quand on ne sait pas vraiment d'où on vient, c'est difficile d'envisager de transmettre quoi que ce soit à ses enfants. Et je me suis servi de la photographie, d'ailleurs, pour ça, pour aller... c'était un prétexte pour aller... pour retourner... dans les villages où ont vécu mes ancêtres, et j'ai tout retrouvé. C'était des voyages très infructueux photographiquement, parce que c'était nul, mais c'était plus une introspection. Là, j'ai découvert un village avec tous mes ancêtres, enfin leur sépulture, etc.
Maintenant, je sais. Et ça, c'est une différence fondamentale. Je veux vraiment vivre avec ce que les ancêtres ont laissé pour nous. Donc, ce que s'y traduit, le tatouage que tu vois sur moi, c'est un côté, hein, le côté du gauche. Je m'explique. Côté du gauche, c'est côté du cœur. Côté spirituel aussi pour nous. Okay. La symbolique, c'est... Le côté tatoué, c'est, il représente pour moi, très profondément pour moi, mon âme. C'est vraiment mon amour pour ma culture, qui représente aussi la tradition. Le côté pas tatoué, c'est le côté moderne. Alors. Donc maintenant, il ne faut pas oublier, on vit dans le moderne aussi. On est au 21e siècle. Mais je ne vais pas oublier mes racines, je ne vais pas oublier mes traditions. Donc maintenant, je vis entre tradition et modernité. J'accepte la modernité, mais je vais filtrer. Je vais prendre ce que j'ai besoin dans la modernité. Et déjà, je suis enraciné très fort dans ma culture. Si on oublie d'où on vient, on a du mal à savoir où on va. Ah, moi, c'est très clair. Ouais. Et c'est pour ça que je suis très fier qu'aujourd'hui, mon petit-fils, là, soit immergé dans la culture bretonne. Au moins, il a sa culture de base. On va pouvoir lui rapporter du... Ça ne me gêne pas. Qu'on lui rapporte après une langue, deux langues, trois langues. Ça permet d'élargir la vue, mais qui est la sienne. C'est une base. Parce que finalement, à force de ne plus voir rien vouloir, il n'y en a plus d'identité. Et on s'aperçoit que les gens qui viennent nous voir, ce qui leur manque le plus, c'est d'appartenir à quelque chose. Ils n'ont plus le sentiment d'appartenir à un territoire, ni à une culture, ni à rien du tout. Ils n'ont plus rien. Sometimes I get an identity crisis. Whose I am? I am not Egyptian. When I've been in Egypt, they told me, you become European, you need a fork, you need a knife, you want an ashtray, and so on. That's European's behavior. And when I come to German or to European, they told me, you are Oriental, you keep your behavior, and so on. So I discussed with myself, whose I am. I am not the Egyptian, I'm not German. So it makes me like something like, we call it in German, Wackel, ins Wackel gebracht. That means it makes confusion. So I decided to be now, it is I am, and I am as a result of all this experience, two cultures. And what I do is only a synthesis. You know, this is also very difficult for me to answer. I just can't say what I am. That is my problem. Because I'm now in Switzerland, and people ask me, why don't you ask for Swiss nationality? I've been there for so long. And then I feel, why should I? Because then I feel I don't feel Swiss. I feel more, I have a Dutch education. My mother language is Dutch. But on the other hand, I've never lived in Holland. I've lived in Indonesia, and now I live in Switzerland. So what am I, in fact? I really don't know. And I feel Chinese because I have Chinese ancestors. And that is why I'm learning Chinese. So maybe I feel Chinese more, I would say. But on the other hand, I feel ashamed because I don't even speak the language. 我先要说一下，就是我现在呢是美国公民，但是我始终的认为就是我是中国人，而且在中文里面，祖国是你祖先的国家。 也就是说，我认为中国还是我的祖国，虽然我是美国公民，那我是不是热爱中国？是的，应该说是的，我热爱中国的。可是为什么我会加入美国国籍？我想这是两个概念，我自己也是。 挣扎了很久，才把这个两个概念区分开。
我加入美国国籍是因为我觉得我可能以后的生活或者一些家庭生活会在美国多一点，那我需要有我作为公民的权利啊，所以我申请了美国的国籍。我曾经有非常不好意思告诉别人我是谁，但是我知道有一个地方有一个空间，我不管做多坏或做成功或做失败，那个空间那边的一群人，他们认识我，他们会接纳我，这是我的自己的部落，就是这个地方。Being white man in the black continent, you know what? I'm African. Even more importantly, is I'm South African. I was born here. I was bred here. I spent 6 years defending this country. I'm not going anywhere. I am from Africa. It's that simple. People often say, what will you do if your husband predeceased you? Because India is not your home. Where would you go? Now, we've spent a lot of time in London. We've spent, I am Australian. We have lived all over. But when it does come back to that point, the roots, I think, are Australia. So, yeah, roots are important because ultimately I may return to them. On va dire, je me considère comme une maison, donc mes fondations sont marocaines et le premier étage est marocain, le deuxième est français. On va voir ce que va être la petite terrasse du dessus. Peut-être ailleurs, peut-être plus africaine d'ailleurs. Si je n'avais pas ce bout de terre ardéchoise, je serais en exil. Je suis en exil parce que je ne suis pas français, je suis quelqu'un qui est tellement européanisé qu'il n'est plus algérien ou africain, donc je suis mélangé de tout ça. Donc chez moi, c'est quoi? Chez moi, c'est aussi tout ce contexte social de relations avec les amitiés, les gens, et puis ce lieu qui est chez moi, parce que cette terre, je l'ai beaucoup travaillée, je l'ai aimée, je l'ai fécondée de ma sueur, de mon travail, et c'est à la fois ma mère, mon amante, ma fille, c'est tout un ensemble, et là je me sens chez moi, à tel point que j'aimerais être enterré, et d'ailleurs dans cette terre-là. Parce qu'en dehors de cela, bah, je suis en exil. India is my home. I always felt it was a mistake when I was born. I love discovering new places. I'm a man without a home. The world is my home.